voit déjà qu'il a une dent qui va déjà plus en profondeur et on a une petite ailette au-dessus. Donc ça peut, pour moi, ça peut être un outil deux en un parce qu'on voit qu'il craille quand même fort fort un peu d'échaumage en surface, mais qu'il arrive à fissurer aussi en profondeur. Donc ça peut être un compromis entre les machines. Bon, on va essayer de voir un peu si on... Ici, je pense que ça se voit bien parce qu'on a la pointe Oui, ici et c'est on a ça. la ailette Elle là. est là. Du coup, bon voilà, c'est pas plus mal d'avoir l'ailette à ce niveau-là parce que ici on est encore dans du... On est encore en Du surface meuble, et on hein. voit qu'elle ne fait pas trop le souci de... Il n'y a pas le souci de lissage comme Mais voilà, il faut quand même dire ici, je trouve qu'on lisse quand même un peu plus avec les lèvres. Ça doit être un très bon outil, ouais, pour travailler un peu plus, pour pas décompacter aussi Mais profondément. tu retires les ailettes. Ça reste un déchaumeur lourd avant un décompacteur. Ouais. Clairement, on a quand même travaillé beaucoup plus le sol. On a le rouleau aussi derrière qui a un peu appuyé. On voit que c'est quand même pas moteux en surface. Bon, maintenant, voilà, c'est plus un déchaumeur lourd de base qu'un fissurateur pour moi. On est passé à, si on a encore 1 mètre, on est plus ou moins à 30. Mais bon, voilà, ici, niveau lissage effectué par la dent, ça a l'air d'aller. Hein. Donc, là, on a la zone travaillée. Pour regarder comme ça une lamelle. C'est pas... Allez, ça se fissure bien quand même comme ça, donc ça veut dire que les racines, les vers de terre vont quand même savoir passer. De la dent ici, on voit qu'elle est passée ici à mon avis. Ici on est à 36, 36, 37 quand même. On n'était pas à 50 comme on disait, pourtant on était dans ce profil. Il y a l'épée. Du coup ouais, ici on est plus à 36, 37 cm qu'un peu plus profond. Donc on est même dans la zone pédo comme on dit. Donc la zone pédo, c'est une zone qui a presque été jamais foulée par les outils. C'est une zone où d'ailleurs on voit que la terre est d'une différente couleur. Tout ce qui est au-dessus, qui est plus noir, c'est là où il y a de la matière organique qui a été brassée un jour, donc c'est pour ça que c'est plus noir. Mais dès qu'on est dans la zone pédo, c'est une zone qui a été presque été jamais foulée par un outil. Et du coup, la couleur est souvent plus claire que le vent vient. Voilà. Ça, c'est vrai que pour les outils, on a l'air d'avoir quand même des modes plus compacts au milieu. Ça veut dire que ça n'a pas soufflé, quoi. Parce que la structure en dessous était bonne aussi. Hein. Donc normalement on doit trouver plus ou moins la dent à ce niveau-ci. Mais ce qu'on peut remarquer direct, c'est que ça se dilite fort entre les dents, dû aussi qu'on a eu de l'eau et qu'on a eu un soulèvement clairement qu'on voyait aussi sur les photos et sur le passage en direct. Mais alors le dessus, il est quand même resté. Il est quand même, il s'est fait soulever d'un coup. C'est ici le dessous qui s'est fait soulever en plus, on dirait. Mais le dessus, il est quand même gardé parce qu'on a encore les chaumes qui tiennent bien. Et on a quand même tout qui est bien tenu. Donc ça, c'est quand même pas plus mal d'un côté.